Alors, Monsieur le Recteur, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, Michel, merci pour l'invitation que j'ai acceptée avec beaucoup d'émotion, comme tu peux le comprendre. Et tu ne m'as pas facilité la tâche en me demandant de parler du souvenir, la manière de garder ce souvenir vivace, et de mon grand-père, qui était déporté politique. Comme j'ai toujours été un peu rebelle, je vais en partie, j'espère te satisfaire, parler de la mémoire et de la manière dont on peut sauvegarder cette mémoire. Mais je ne vais pas parler que de mon grand-père, je vais parler de mes grands-pères. J'ai une tendance à dire que j'ai eu cette chance d'être éduqué dans la résistance. J'ai pas vécu la résistance, j'ai pas vécu la guerre 40-45, malgré les apparences, je suis encore un peu trop jeune pour ça. Mais mes deux grands-pères ont des parcours à la fois différents et tellement semblables. Alors l'un, celui dont tu me parlais de parler, qui porte le même nom que moi, mon grand-père paternel, a, comme je le disais juste avant, fréquenté Birkenau, Bergen-Belsen et Dora pendant un an et demi. C'était un, ce qu'on appelait un textilien dans le jargon von Oslandern, un libéral, mais de droite. Paysage que je n'ai pas connu, parce que lorsqu'il est revenu de la guerre, et ça c'est mon père qui nous l'a raconté, et c'est nous qui l'avons vu, ben forcément un an et demi, dans un environnement comme celui-là, ça change la vie. Et donc après, ça n'était plus le travail qui l'intéressait, c'était sûrement le besoin de vivre, le plaisir de vivre, d'exagérer dans ce plaisir de vivre, encore que, y a-t-il une exagération dans le plaisir de vivre ? Et c'était la lecture, les livres. Il se fait qu'il y a quelques jours, la compagne de mon père, qui est décédé il y a un an et demi, me disait « Écoute, je vais déménager, mais il reste tous les livres de ton père chez moi et son bureau. Est-ce que ça t'intéresse ?» Comme je n'héritais de rien, ce n'est pas un secret, je dis « Les livres, ça j'y tiens. Ça j'y tiens. Je n'aurai sûrement pas l'occasion de tout lire, mais ne fût-ce que pouvoir les voir physiquement, mais c'est à la fois mon père et mon grand-père. Parce qu'en se réfugiant dans la lecture et dans le plaisir, il a côtoyé ce que j'appellerais une forme de tolérance, d'ouverture, d'intelligence. Et moi, j'ai tendance à vous dire que c'est peut-être mon premier souvenir. On ne s'ennuie jamais avec sa main, avec soi-même, si on a un livre entre les mains. On ne s'ennuie jamais avec un livre. C'est pas possible de s'ennuyer avec un livre. Même quand on n'est pas d'accord, et sûrement quand on n'est pas d'accord avec tout ce qui est écrit, c'est une telle manière de pouvoir se dire que quelques neurones fonctionnent encore. Ça, c'est le côté paternel. Voilà, mon intolérance, ou l'intolérance est un grand mot, et je suis certain que tu feras peur d'indulgence, me permettra de te parler aussi un peu de mon grand-père maternel. Bah, un peu, encore un euphémisme, même si je dois respecter le temps qui m'a été donné. Mais mon grand-père maternel, c'est lui qui nous a éduqués. Je dis nous parce que mon frère et moi... ma maman m'a eu à 17 ans, et 9 mois après, mon frère... Bon, c'était pas courant à l'époque. Et donc forcément, c'est le grand-père qui nous a éduqués. Il était pharmacien. Juif polonais. Il avait quitté la Pologne en 1936 avec son diplôme de pharmacien, par les 9 langues, dont le flamand, le français, voilà. Quand j'entends que dans ce pays, on n'est pas capable de parler 2 langues ou 3 langues, quand c'est struggle for life, on est capable de le faire, quand même. Il faut à un moment donné revenir les pieds sur terre. Hein. Tesni ni moulk. Et lui nous a éduqués, et il était libéral. Libéral de gauche. Pas facile, un qui est libéral de droite, l'autre libéral de gauche. Je crois que le deuxième, finalement, plus je vieillis, plus fait en sorte que je lui ressemble. Mais pourquoi j'en parle? Il nous a fait découvrir, mon frère et moi, peut-être par inadvertance, un débat qui, aujourd'hui encore, fait l'actualité aux États-Unis. Biden gagne les élections, les midterms, comme on dit, parce que des femmes, des jeunes, des hommes aussi,
se disent, mais on ne peut quand même pas faire en sorte que notre héritage, je parle de l'avortement, ces valeurs-là disparaissent au prix d'un obscurantisme qui gagnerait tout. Eh bien, moi, j'ai vécu les avortements quand ils étaient illégaux. Une fois par mois, nous habitions au premier étage, la pharmacie était au rez-de-chaussée, ma grand-mère nous disait, mon frère et moi, « Ah, mais ce soir, vous ne pouvez pas descendre. » On avait l'habitude d'aller dire au revoir à mon grand-père avant d'aller dormir. « Non, pas aujourd'hui. » Mais vous savez, un enfant est sarcastique. Un vieux, il est tout autant, je vous rassure. Et on voyait à ce moment-là, à travers les escaliers, puisqu'on était au premier étage, qu'il y avait des dames, des femmes qui rentraient. Et ce qui nous frappait, c'est qu'elles n'étaient jamais souriantes. Je ne me souviens pas d'en avoir vu une qui souriait. Donc on sentait qu'il y avait quelque chose. Et derrière la pharmacie, il y avait ce qu'on appelle les tables obstétriques. Et puis un jour, le secret était devenu impossible. Et ma grand-mère, qui était femme dure, hein, a vécu jusqu'à 107 ans, c'était elle qui portait les culottes, un jour elle nous a expliqué. Elle nous a expliqué ce qu'était la vie, ce qu'était faire des enfants, mais aussi ce qu'était l'avortement. Et c'est là qu'en sixième primaire, on commençait à voir les cours d'éducation sexuelle. Tout le monde était excité, évidemment, cours d'éducation sexuelle. Et le professeur, à l'école, pense bien faire en nous expliquant. Il pose, comme tout bon professeur, quelques questions. Et moi, je réponds, en disant, oui, je sais comment on fait des enfants. Et je sais comment on avorte. J'avais déjà, excusez-moi pour le terme, fait aller ma grande gueule un peu trop fort. Et c'est une punition qui suivit. Quand je suis rentré chez ma grand-mère après, en disant, voilà, j'ai été puni, voilà ce que j'ai fait. Elle dit, je t'interdis de faire ta punition, ça ne se passera pas comme ça. Elle m'interdit, mais moi, demain, je vais me faire engueuler une deuxième fois. Et le lendemain, elle est venue avec moi, à l'école. Et elle a dit au professeur, Monsieur Sturboot, Monsieur Sturboot, je m'en souviens, elle a dit, vous avez bien fait de lui mettre une punition. Mais vous avez tort de punir. Ce qu'il a dit, c'est la vérité. Et on ne punit pas pour la vérité. Et le professeur a reconnu. Il dit oui, j'aurais pas dû le faire. Et je vous remercie pour ce dialogue. Je l'ai revu plusieurs années après, il m'en parlait encore. Et voilà les quelques souvenirs que je voulais évoquer avec vous. Et pourquoi j'ai fait tout ça? Pourquoi je vous ai parlé de ça? Parce qu'il y a deux phrases que j'adore et qui sont près de moi toujours dans mes pense-mémoires, comme on dit, voilà, et qui ne me quittent pas. Une, c'est une phrase de Tahar Ben Jaloun, et l'autre d'Heinrich Heine. Alors, Heinrich Heine, pour qu'on ne confonde quand même pas, c'est un écrivain allemand, plutôt poète d'ailleurs qu'écrivain, du 19e siècle. Et je terminerai par cette phrase-là. Mais celle de Tahar Ben Jaloun, c'est celle qui répond à ta question, Michel, sur le souvenir. L'ignorance et la peur sont ce qui suscite, provoque, fonde le racisme et l'intolérance. Comment garder souvenir? Mais d'abord par l'éducation, par l'enseignement, par ceux qu'on décrit, mais trop souvent et inutilement. Ceux qui font ce devoir de mémoire par passage. Passage qui est ce qu'on permet aujourd'hui, heureusement, dans des démocraties encore, d'apprendre. Et ce n'est pas toujours facile. Moi, je me suis battu pour qu'il y ait, et j'ai raté ce débat d'ailleurs au Parlement, un cours de philosophie des religions, avec Richard Miller. C'était une de nos marottes, disant, on pourrait y arriver. On n'y est pas arrivé, c'est peut-être pas trop tard, ça peut encore venir. Bon, c'est comme ça. Et donc je crois que c'est vraiment dans l'enseignement. Mais qui dit dans l'enseignement, dit aussi une formation la plus poussive possible pour ceux qui enseignent, et qui aujourd'hui sont souvent trop vite poussés à enseigner. Et un sur trois, quand je dis un sur trois, je suis en dessous de la vérité, quitte dans les cinq premières années, ce qui est dingue, puisque ça doit être le plus beau métier du monde, après celui que vous pratiquez les uns comme les autres.
Et la deuxième et la dernière phrase, en espérant pas avoir abusé de votre gentillesse et de votre temps ni de votre attention, écrite au 19e siècle, c'est ça qui est dingue, par un poète allemand, là où on brûle les livres, on finit par brûler les hommes. Vous savez tous comme moi ce qui s'est passé dans cette partie de l'Europe qu'on appelle l'Allemagne, avec des nazis qui ont commencé par brûler des livres, en chantant, en dansant, en criant, en vociférant. Et voilà sans doute aussi une des raisons pour lesquelles, jusqu'à la dernière goutte de sang, à la dernière minute, j'espère pouvoir garder mes yeux pour continuer à lire, qu'on m'enlève la langue s'il le faut, mais qu'on me laisse les yeux, ça me permettra de trouver beaucoup de plaisir encore. Je vous souhaite de passer une magnifique journée. Je regrette de ne pas avoir pu être présent ce matin, de ne pas pouvoir rester avec vous. Mais comme certains le savent ici, je suis passé par un petit événement médical, c'est comme ça qu'on dit, qui peut-être m'aura un peu éloigné de ce jour. J'en aurais été meurtri. Mais la médecine fait tellement bien les choses qu'on m'a dit que non seulement je pouvais être là, je devais être là, mais que tout se passera encore bien pendant de nombreuses années. Et donc j'espère vous revoir à d'autres occasions, avec autant, comme je dis, d'attention, c'est impressionnant. Passez une belle journée et merci pour votre invitation.